Ok, yo tout le monde, c'est Sean Gazma, bienvenue pour ce que je pense être le dernier épisode de Uncharted 2 The Among Us. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Donc ce soir les amis, je vous retrouve dans cette tour dans laquelle je vous avais laissé. Il faut savoir qu'on a revu Lazarevitch, Flynn qui s'est fait agresser par lui-même, et Chloé qui était en possession de la dague, qui nous l'a donc remis. Et maintenant, nous cherchons ce fameux passage secret que nous a décrit Schaeffer. Alors apparemment je peux appuyer sur Select. Et je vais avoir un indice ou pas, quelque chose de plus intéressant. What the fuck? Elle me donne pas beaucoup d'indices ces histoires. Très bien, chacune de ces créatures a l'air d'être associée à une couleur. D'accord, ce qui veut dire que je dois replacer les tableaux que j'ai vus sur les murs de la tour en fonction de couleurs, mais le truc c'est où sont ces couleurs? Donc attendez. Ok d'accord, il n'y a que ces 4 là. Donc, lion d'or, dragon blanc, ça c'est pas dur, oiseau de feu, ok, chat vert. Ok, bon c'est pas trop dur à retenir, maintenant la question c'est comment je fais pour les coloriser. Et je suis même pas sûr que ce mot existe en plus. Voyons voir. Je peux pas grimper là. Là peut-être? Non. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je peux tirer dessus peut-être? Non. Comment je suis censé faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je parie que je peux déplacer ces trucs. Oui, oui, bah oui, ça paraît logique. Sauf qu'il aurait peut-être fallu nous le dire juste avant. Attendez, ces trucs-là, on les voyait sur le bouquin. Ah oui, d'accord, je vois. Énigme à 2 balles. Ok, j'ai compris. Donc, l'air. Donc ça. Sur le chat. Ok, je l'ai. On va le mettre sur le chat. Très bien. Et après? Eh bien après, laisse-moi regarder Fire. Donc l'oiseau, le triangle. L'oiseau, il est où? Le dragon blanc. Là-haut, c'est le lion. C'est le lion. Ah non, c'est l'oiseau, parfait. C'est exactement ce que je voulais. Mais où est Sully quand on a besoin de lui? Tu m'étonnes, on aurait besoin de bras là. Voilà, parfait, et de 2. Ensuite, le dragon blanc. Le dragon, je crois que c'était le carré, mais je veux juste vérifier. Voilà, donc j'ai bien fait de vérifier, c'était le rond. Hop là. Voilà, parfait. Ok, bon, bah jusque là, ça va en fait. C'était pas si compliqué que ça, je vous l'avoue. J'ai galéré un petit peu. Mais ça se gère plutôt bien. Plus que le lion. Lion qui est là-haut. Ok. Bon, faudra vraiment qu'ils fassent leur truc plus lourd aussi parce que... Ouf, comme ça, ce sera encore plus dur. Ok. Bah. Ma faute. Par contre, il a bien roulé, hein. Super. Ça devrait être bon. Oh, merde. Encore? D'accord. C'est pas la première fois que je vois ces symboles. Oui, moi non plus. Donc là, on veut une espèce de perche. D'accord. Donc, faut que je change ce truc. Donc, par là. Non, c'est pas ça. Ça y ressemble pas non plus. Non plus. Voilà, c'était un truc comme ça. Ok, parfait. Ensuite, le chat, c'était... une espèce de grosse courbe. Ok. Bon, c'est mes petits rappels à moi. Hein. Ça veut rien dire ce que je dis, mais... là, nickel, c'est celui-là. C'était un A en fait. Ouais, voilà, j'aurais pu dire un A. Comme ça, moi, tout le monde aurait compris. Ensuite, le dragon blanc. C'est un A avec un chapeau. Ok. Ah, bah d'accord, c'est juste celui à sa gauche. Ok. Dans l'autre sens. Voilà, parfait. Ou alors c'est l'autre. Non, non, je crois que c'est celui-là. Ok, parfait. Et donc, pour le dernier, l'oiseau. L'oiseau, c'est un truc qui ressemble à rien. Ok. Chacun correspond à une couleur, tout comme les créatures. Exactement, petit net. T'apprends ça tout seul. C'est bien, hein. Ça prouve que t'as été à l'école. C'était pas celui-là, c'était celui-là. Wow. 3 côtés, pile comme la dague. Ah
Ah, génial, le passage secret. Et donc maintenant je peux, oui, y accéder, tranquille. Et bah voilà, bon bah c'était pas si compliqué que ça. C'est vrai qu'on y sera resté un petit peu de temps, je vous l'avoue, mais c'est en même temps, c'est parce que j'ai un peu galéré. Elena, tu m'entends? Ouais. Je crois que je viens de trouver l'entrée secrète. Vraiment? Ouais. Tu vois là où il y a toutes les statues sur la falaise? Rejoins-moi là-bas. Parfait, j'arrive. C'est moi ou j'ai cette impression de déjà vu en fait? On avait déjà eu le même point de vue dans le 1. Bon après c'est peut-être moi, mais la vue de la tour et tout, ça me rappelle vachement le 1. Je vois, on les a loupés de peu, ce qui veut dire qu'on va quand même se les taper sur le détour. Bon, mais ça présage rien de bon. Par là? Non, pas par là. Là je peux pas trop descendre. Ah, oui, évidemment. Évidemment, évidemment. Oui, c'était ridicule. Ah! On aurait pu me dire qu'il manquait de marche. Est-ce que je peux y aller? Ouais, y'a pas. Ok, parfait. Bon, jusque là, ça va à peu près. Ok, ensuite je continue sur le long du mur. Joli effet de lumière en passant. Elena, t'es là? Ouais. Hé, hey, je suis là, je te vois. Qu'est-ce que ces gars fabriquent? Dessus. Ouais, quand faut y aller. Ok, bien. On a un, les hommes de chauffeur, j'allais dire, Lazarevitch, toujours dur à prononcer ce mot-là, et en plus, les Yetis. Watcha! Voilà. Bon, j'aurais peut-être dû faire ça plus discrètement. Je vous l'avoue, j'ai déconné, toi par contre, boum! Voilà, avant que tu déconnes. Il y a du people là-haut, boum! 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 Ok, vous avez gagné, je bouge plus, je suis mort, pas besoin de tirer. C'est une feinte! Bim! Bim! Je cours! À couvert! Nickel. Ok, le blindé maintenant. Il est où? Ah, il est là. Okay, viens là. Boum! Je l'ai eu! Nickel, je l'ai eu, tranquille. Ok, je recharge. Parfait. Alors. En avant, par ici. Par ici, y'a quoi? Par ici, y'a que Pouic. Ah! Quoique. Attendez. Peut-être pas que Pouic. Voilà, je peux passer par là. Je préfère prendre de la hauteur. C'est plus simple. Voilà, RPG, oui, bien sûr. Toi, mon pote, tu dailles. Ah, là, nickel. Ça se gère bien. Ah, gaga. Qu'est-ce que quoi derrière moi? Ouh. Y'avait quelqu'un derrière moi qui avait un viseur laser. J'ai pas aimé, hein. Ah, j'ai pas aimé du tout, même. Ou alors, il est peut-être juste là, oui. D'accord. Ok, je relaxe. Par contre, j'entends beaucoup de feu. Je crois pas que c'est sur moi. Si, vous êtes déchaînés sur moi, les mecs? Boum. Non, ils ont l'air d'être mis sur moi. D'accord, c'est la tourelle. Je vois. Mais je vais pas pouvoir me la faire maintenant. Ah, mais c'est Elena. Attendez, c'est Elena? Ah ouais, c'est Elena. En couleur, on la reconnaît bien. Parce qu'en noir et blanc, bah c'était noir et blanc, quoi. Ouais, bon. Boum. Voilà, parfait. Faudrait des munitions, j'en avais vu, il me semble, de ce côté. Ah là, parfait, des RPG. Mais j'aurais préféré du Desert Eagle. Ah, 9 mm, fait une cuve mince. Là, ma copine. Et. J'ai vu quelqu'un, là. Ah oui. Boum, j'ai dit. Boum. Eh, tout fait exprès, hein. C'est bon, là, je crois qu'il est mort. Ok, parfait. Alors, c'est qui me tire dessus tel un sangouin? D'accord, ça vient de là-haut. Bon, on va tenter de se rapprocher. On se rapproche. Voilà, ça suffira. Munition. J'attends un peu. Parfait. Boum. Puis, j'arrive à rien, je suis beaucoup trop loin. Boum. Voilà. Ensuite, le mec qui est là, je vais essayer de me le faire. Allez. Qui c'est? Non, c'est personne. D'accord, ça vient. Ah! Je sais pas d'où. D'accord, ça vient de là. Ok. Tant pour moi. Il commence véritablement à me saouler. Voilà. Je prends pas de risque, hein. En plus, sinon, je vais jamais m'en servir de mes roquettes. Donc, tant qu'à faire. S'il pouvait servir à quelque chose. Boum. Parfait. Et toi? Boum.
Boum, boum, boum. Allez. Ouais, ils sont costauds, hein. Allez. Va-t'en. Voilà. Ok. Il me faudra des munitions. Personne? Ah, non, d'accord, c'est elle là. Ma copine. Attends, alors, où est l'entrée secrète? 5 secondes pour l'entrée secrète. D'abord, 1, munitions, 2, trésor, 3, entrée secrète. Ok, on fait par étapes, hein. On procède par étapes, sinon on va jamais s'en sortir, mon RPG. Merci. Je préfère le garder par sécurité, surtout qu'il y a des grosses bestioles qui traînent. Ça m'embêterait d'avoir affaire à eux déjà, alors... Si en plus je suis pas bien équipé, je vous raconte même pas. Grenade. Pas d'autres grenades. Par là. Europe par là. Europe par là. Voilà, M4 j'en veux pas. Par ici. Oh, un autre chemin, ça mène où? Où c'est, qu'est-ce que ça mène? Un petit trou qui sert à rien, donc une couverture. Ouais, ou du décor. Par là, il y a pas de trésor. Non. Non, tout a la gueule bien défoncée. Non, bon bah ok. Direction... Ah. Allez, grimpe. Voilà. Allez. Donc on disait, direction le trésor. Ah. Attendez, je peux grimper là-haut. Ah, attendez, attendez, attendez. Ça m'intrigue, ça m'intrigue. Si ça se trouve, il y avait peut-être un trésor. Yep. Ouh, c'était peut-être juste une couverture, mais au moins j'en aurai le cœur net. Alors, ouais, on va. Non, 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 bah c'est peut-être juste une couverture. Bon bah c'était juste une couverture, tant pis. C'est là. C'est ça. Ça va. Ici, aide-moi à pousser. Ok. Un peu de nerf. Non, non, non. Nate. Eh ben, regardez-moi ça. Caché à la vue de tous. Allez, par là. Je crois que c'est plus rapide de descendre par là. Oh wow. Eh ben, au moins, ça les occupe. Ah. Tu vois ça? Reste derrière. Oui. Reste derrière, reste derrière. Où c'est, qu'est-ce que je suis censé passer? Par là? À votre avis, c'est par là? Non, faut quand même pas que je suive ces bébêtes quand même. Ils sont sérieux? Ah non, attendez. Oui, évidemment, évidemment. J'allais me faire une mort ridicule en plus. Ok, c'est par là. On avance. Putain, dingue, sérieux. Et dire qu'on était au passage secret depuis le début, quoi. Vous savez, l'endroit où on a galéré avec lance-grenade et tout. J'y crois pas, quoi. Ouais, bah ça sert à rien en fait. C'était pas par ici? C'est pas par là. Bon. Ah, c'était peut-être pour prendre moins de hauteur. Ouais. Ah oui, échelle. Mais, andouille. Voilà. Ok, on descend. Descend tranquillement, on saute. Voilà. À l'abri. Je vois. Bon. Boum. Voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête avec le bouclier. Je vois. Monsieur, par contre. Voilà, il m'avait cherché, hein. Moi. Hein? Qui quoi? Boum 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 boum. Mais allez, tac 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 tac. Voilà, parfait. Tac 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 tac. Voilà. Ouf. Je crois qu'il y avait plein de munitions sur place. Ok, bon, jusque là ça gère. Je recharge. Ils font tomber ce mur. What? Quel mur? Quel mur? Ah, oula. Boum boum. J'ai dit. Boum. Voilà. Lui par contre boum. Purée, j'ai avoir du mal avec lui. Ah si, je l'ai eu en fait. Boum. Voilà. Ça t'apprendra à me chercher des crosses. Pouvoir avoir des munitions. Parfait, à moi. Yop là. Yop là. J'espère qu'ils ont laissé leurs cordes. Voilà, et oui, ils ont laissé leurs cordes. Nickel. On est parti.
Eh ben, merci pour la corde, les gars. J'espère qu'il y a rien de flippant là-haut. Parfait, c'est dégagé, on y va. Ouais, enfin dégagé, juste comme ça, je la sens pas trop l'arnaque là. Sans le plan foireux, il y a beaucoup trop de cadavres. Beaucoup trop, je suis rechargé, on peut y aller. Je le sens trop pas. On se taille. On avance. Purée. Ils sont pas allés de main morte, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Elena? Ouais, t'en fous? Ouais, bon, on avance. Ok, donc à partir de là, je passe par là. Oh, sympa les mécanismes. C'est bien fait, hein. Franchement, la cité de Shambhala, c'est chouette. C'est quoi, ça? C'est un bug? Ah non, d'accord, c'est un bout de neige. Ok, oula. Le petit pixel tout pourri. On y est presque, je le sais. Ça paraît logique. La porte est droite devant, Ned. Il y a des portes plus haut, j'ai besoin de ton aide. Ok. Très bien. Allez. Nous y sommes, Elena. L'entrée secrète de Shambhala. Nate ? Ouais. Je ne vois rien. Moi non plus. Je ne grimperai pas un mur de plus. Continue de chercher. Il doit y avoir un indice quelque part. T'es vraiment sûr ? Il y a forcément un indice. On a loupé un truc là. D'accord, donc moi j'ai compris, il faut que je redresse ces lames. Mais le truc c'est dans quel sens ? Il faut tous que je les mette vers le haut ou vers le bas ? Voilà. Et maintenant ? Eh bien, on va plutôt essayer vers le bas en fait. Ah oui, d'accord, dans le sens de la lame. Ah oui, d'accord, ça paraît logique. Ah, ok. C'est pas bête. C'est pas bête. Voilà, et de deux. Plus que ces deux à faire et on sera bon. Voilà. J'en profite pour me gratter le nez. Pour une fois qu'il n'y a pas trop d'action. Et voilà. C'est bon. Quoi ? Regarde. Ah, espèce de salaud. On fait quoi maintenant ? Reste derrière moi. Lâche ton arme. Allez ! Reculez ! J'aurais dû vous tuer moi-même quand je le pouvais. Je ne referai pas cette erreur. Reculez ! Appuyez sur la gâchette, petite, vous survivrez peut-être. Maintenant, ouvrez-nous la voie vers Shambhala. Allez au diable. Vous êtes étudiant en histoire, monsieur Drake ? J'ai lu un livre ou deux. Genghis Khan, Hitler, Staline, Pol Pot. C'était de grands hommes. Vous savez pourquoi ils étaient puissants ? Je parie que vous allez nous le dire. Parce qu'ils étaient tous prêts à faire ce que les autres refusaient. La compassion, c'est l'ennemi. La pitié nous ruine. Maintenant, à moins que vous vouliez encore me tester, vous allez lâcher vos armes. Vas-y. Éloignez-les. Alors, vous avez testé ma volonté. C'est à moi de tester la vôtre. Vous aurez rien de plus en nous tuant. C'est vrai pour lui, oui. Mais vous, si vous la touchez, vous obtiendrez rien de moi. Eh bien, on dirait qu'on est dans une impasse. À moins que j'ajoute un nouveau pion à mon jeu. Amenez-la ! Merde. Ah. Enlève tes sales pattes. Bien, l'une d'elles va servir d'exemple. Et l'autre, on l'utilisera pour vous inciter à coopérer. Choisissez. C'est des conneries, Nate. Ouais, n'entre pas dans son jeu. Vous voulez mon aide ? Relâchez-les. Ce n'est pas une négociation ! Qui voulez-vous sacrifier ? Vous voulez sauver qui ? Celle-ci ? Vous voulez la sauver ? Ou peut-être celle-là ? J'en ai marre de ces conneries. Ça suffit, cinéma. Je ferai ce que vous voudrez. Du calme, ok ?
Hé, hey, Gronaz, passe-moi ton briquet. Moi. Essaie de passer et répare ça. Et prends-le avec toi. Peut-être que cette fois ce sera bien fait. Et au fait, monsieur Drake, n'essayez pas de faire le malin. Après toi. De sale traître. Les meilleurs m'ont tout appris. Tu ferais moins le malin sans flingue. T'éloigne pas. Allez, suis-moi. On continue, à tout honneur. Je vois, cette fois, on sert de cobaye. Super, et en plus, on a Harry au cul. Il nous suit ? Il nous suit pas. Ah bah tant mieux, il nous a lâché. On se barre. Je suis armé. Je comprends pas pourquoi Lazare et Rich t'a pas encore tué. Donne-moi un coup de main, mon pote. Et voilà. Allez, on y est presque. Hey ! Désolé. Et ça t'empêche de passer ? Et tu trouves ça drôle ? Désolé. Super. Tu vois ? Tu peux compter sur moi, camarade. Voilà pour toi, chérie. Allez, passe d'abord. Ah, super sympa d'être en compagnie de ce mec, hein. Ça fait plaisir, hein. On l'avait pas vu depuis le premier chapitre et voilà qu'il nous commence déjà à nous embêter. T'as pas intérêt à m'amener dans un piège. C'est par ici. C'est pas de tout repos, cette balade. Putain, ce mec, tu suis au moins. Ouais, comme il peut, hein. Bien, viens m'aider. Aide-moi à bouger ce truc. Allez, allez. Vive le travail d'équipe. Comme au bon vieux temps, hein. Dis, si tu veux vraiment qu'on redevienne copain, tu lâches ton flingue. Ou au pire, tu te jettes. Bon, pour la suite. Ah, oui, d'accord. Yop là. On redescend, yop là. Voilà, on continue. Voilà, ensuite on fait gaffe à la cascade. Je serais bien capable de glisser, je vois le genre. Doucement, doucement, doucement. Ok. C'est bon, on est passé. On est passé, on est passé. Relâche, relâche. Mais. D'accord, voilà. Tu suis derrière. Bon, il suit à ce rythme, on va dire. Mais comment ce machin a pu arriver là? Pour l'instant, c'est avancé qui importe. C'est un peu mystique tout ça, non? Non. Et aide-moi à pousser ça. Allez, ma poule. Et voilà. On dirait ta mère. Oh là là, les clashs de gamins. Eh, les enfants, faut se calmer, hein. La cour de récré, c'est plus ici. On est dans une Uncharted, les mecs. Faut se réveiller. Par contre, j'ai vu un trésor et je veux ce trésor. Comment je vais chercher ce trésor? Telle est la question.
Faudrait que j'oriente ce truc ou que... T'as intérêt à pas te louper. Parce que c'est pas moi qui vais t'aider. Non, moi en fait ça m'arrangerait qu'il se loupe, hein. Comme ça on aurait pu à se débarrasser de lui, ça ferait un problème en moins. Moi aussi. Tu m'aides ? Non ? Laisse tomber, ça ira. Non, non, mais j'irai pas t'aider, cherche pas, hein. Alors voyons voir, pendentif à 8 emblèmes. Pour une fois qu'on n'a pas quelque chose de trop moche et qu'on a quelque chose d'original. Le ying et le yang. Ouais, ça passe. Bien, ensuite, maintenant qu'on est arrivé au bout. Je suppose qu'il va falloir ouvrir cette porte. Tu viens m'aider, camarade ? Allez, ouvrons-la. Et comme on dit, on cache, et parfois une autre. Ok. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Attends-moi ici. Comme d'hab, je m'occupe de tout. Vraiment ? Attends. Quoi ? Ce symbole. Je les reconnais. Eh bien, même si tu les reconnais, moi je t'avoue que je suis un peu embrouillé. Attendez, à chapeau, à bidon, à pic. Ok. Alors maintenant, il s'agit de remettre ça en place, et maintenant la question c'est comment je remets ça en place. Alors il faut que je tire là-dedans. Ah oui, mais non, c'est vrai, j'ai pas de flingue. Ah, peut-être que je peux grimper. Ah oui. Oui, parfait. Maintenant. Un petit manuscrit, mais des gros cylindres. Genre, je peux déplacer ces trucs. Narmol. Ah là là. À quand un peu d'action? Deux secondes. J'essaie de me concentrer. Ok, donc maintenant on veut un abidon. Ah, je crois que c'est le prochain. Nickel. Et pour le dernier, c'était un accroché. Je crois que c'était celui-là. Je suis pas sûr, ça demande vérification, mais il me semble que c'était celui-là. Ouais, nickel. Et pour l'autre côté, c'est... Ah, bidon coupé. À couper. À couper, chapeau. D'accord. Bon, c'est mes petits repères à moi, hein, je répète. Ça veut rien dire du tout, ce que je dis. Je suppose que c'est une langue. Mais je ne connais pas. Donc, je la fais à ma manière. Yop là, yop là, et yop là. Donc on avait dit, attendez, on va faire dans l'ordre. Donc le premier c'était un A normal. Yop là. Yop là. Voilà, je crois que c'était celui... Non, c'était un A plein. Ah merde. C'est le prochain. Voilà. Ensuite, le deuxième j'ai un trou. D'accord, un A creux. Ok. Oh, ça va, hein, j'aimerais bien t'y voir. Eh, ça va, toi, en bas, hein. J'aimerais bien t'y voir. Voilà, parfait. Ensuite, le H-chapeau. Et ce sera bon. Où est le H-chapeau? Ah, bah tiens, c'est le prochain. Ou pas. Si, c'est lui. Attendez. Non, c'est pas lui du tout. Ah, d'accord, je crois que c'est juste le prochain. Parfait. Voilà, c'est celui-là. Ok, c'est celui-là. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, peut-être que la porte est ouverte. Ah, d'accord, les mécanismes. Je dois pouvoir faire quelque chose. Ou alors, je me suis peut-être planté. Attendez. À plein, à creux, à chapeau. On vérifie. À plein, à creux, à chapeau. Ok. Et là? À chapeau, à plein, courbe. Chapeau, à plein, à creux. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Attendez. Je me serais gouré de sens? Non? Attendez, non, c'est les mêmes têtes. Non, c'est les mêmes têtes. Ce qui veut dire que je me suis gouré quelque part. Mais la question c'est où? Attendez, on va trouver. Qu'est-ce que ces paliers? Et ils sont où? Je peux peut-être les changer. Oh, ça y est, j'ai compris les gens. J'ai tout inversé. Bon, bah c'est l'heure de l'avance rapide. Thank you.
C'est quoi ce machin qui sort du sol? Allez, rends-toi utile. Ouh! Enfin, fini. C'était pas trop tôt. Bien, allez. Mais qu'est-ce qu'on fout là? Et voilà, c'est bon. Tirer de l'eau. Eh merde! Vas-y! Merci! Oh purée, non, 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 mais non! Non! On se couche, les bébêtes! On se couche, et en plus j'ai gagné des munitions, ce qui est pas logique, ils sont trois! Oh purée! Purée, 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 purée! J'en voyais que deux! Ah! En fait, c'est un 9 mm? Ouais, c'est un 9 mm. Yop là! Recharge! Voilà, parfait! Tac, 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 tac! Aïe! Aïe! Il me tac! Non, esquive! Esquive! Fou, tu dégages! Boum 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 boum. Je le tiens bien lui, je le tiens bien. Reviens ici. Oh oh, oh oh, non 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 non. Je préfère éviter de crever à cette phase là. Cours 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 forest. Cours forest cours forest. Y'en a un qui me suit aux fesses. Esquive. Sarkor, sarkor. Je parle pas trop. Je me concentre surtout. Aïe 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 aïe. Ouf. Purée. Je crois qu'il m'avait chopé. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Eh, tu veux pas me lâcher? Ah! Mon dieu. Oui, je suis habitué. Carré, dégage. Ok. Tenez-le. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Quoi? Des épouvantails. Des gardiens pour effrayer les intrus. Ouais. Eh ben, c'est plutôt efficace. Lazarevitch, j'ai fait tout ce que vous vouliez. Libérez-les. Toujours à marchander. Mais vous avez joué votre dernière carte. Et perdu. On dirait que le voyage s'arrête là, Nate. Non, 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 pas encore. Je veux qu'il voie Shambhala. Et qu'il meure en sachant que je le lui ai pris. Ouvrez la porte! Maintenant, vous avez été dans mes pattes depuis bien trop longtemps. À genoux! Zoran, on avait un accord. Je supporte pas les traîtres. Ah, super. Donc j'imagine que vous savez exactement où trouver la pierre. Je sers plus à rien. Merci. À genoux! Qu'est-ce que c'est? Tirez, imbécile! Merde. Ah, espèce de... Ah. Courez! Go, go! Sur les ponts!
Ah, je vois. Dans le genre, on peut pas s'extasier 5 minutes sur un beau paysage sans se faire agresser. Quoi? J'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Je perds beaucoup de vie. Je perds beaucoup de vie et je n'ai pas de flingue. C'est pas pratique du tout. Par là. Arrêtez-les! Ah, oui, nickel! C'est exactement ce qu'il me fallait! Merci les mecs! Oh purée! Si tu voulais bien! On va s'écraser! En dedans! Oh. Ouais. Très bien. On doit se barrer d'ici tout de suite. Impossible de fermer l'œil à ce que j'ai vu l'autre fois. Très bien, on y va. Allez, pas de temps à perdre. Allez, on se dépêche. Regarde les marques. Ça y est. On a enfin un minimum. Tranquille. Bon, j'ai pas de balles, et il y a plein d'armes, mais un AK-47. On dirait que quelqu'un est arrivé avant nous. On verra si on a plus de chances de s'en sortir. Ouais, les cadavres ont l'air d'être là depuis une soixantaine d'années. Hé, ça a pas l'air de les avoir aidés, mais tiens. Merci. Bon. Lazarevitch et sa bande ont dû partir vers la ville, donc si on peut retrouver le chemin de l'entrée, la voie devrait être libre. Non, Chloé. On cherche la pierre de Shintamani. Quoi? On doit arrêter Lazarevitch? Ah oui? Et comment tu comptes t'y prendre, juste? On va mettre la main sur la pierre avant lui et la détruire. Oh. Ne me dis pas que tu crois à ces délires de trucs surnaturels. Je sais plus ce que je dois croire. D'accord. Alors, au cas où tu l'aurais pas vu, ce mec est bon à enfermer. Il pense accomplir une sorte de prophétie. Il croit que la pierre le rendra invincible, immortel. Attends, on est au beau milieu de Shambhala et tu doutes encore de ce qui peut être possible? Ouais, t'as vu combien de balles ils ont tiré sur ces trucs? Il se passe des choses étranges ici. Raison de plus pour partir, tant que c'est encore possible. J'essaie juste d'arranger les choses. Et peut-être de sauver le monde? Oh non. Écoute, ma jolie, le monde s'en fiche. Quand on prend des risques, faut s'attendre à des retombées. T'as dit toi-même que tu voulais descendre ce type. Oui, et je veux le voir payer encore plus que toi. Mais ça finira pas comme ça. Voilà, voilà comment ça va finir. Non, pas cette fois. Alors, t'en penses quoi? Que vous êtes dingue. Mais allons sauver votre fichu monde. Eh oui, allons sauver notre fichu monde en prenant des munitions, beaucoup de munitions et toujours des munitions. Mais avant toute chose, ça sent les trésors un plein nez, donc j'explore un minimum. Je vois. Boum! Il est tombé par terre? Ah, non, il est pas tombé par terre. Oh. Ah, génial! Voilà d'autres de ces monstres! À couvert, ici! Reste derrière, ne laisse pas t'approcher! Quoi? Ça vous dérange pas de vous en occuper pendant 5 minutes? Le temps que je vais chercher ça... Oh, bonjour messieurs! Bonjour! Ouais, quand même! Oh purée, c'est hardcore. Mais où est mon chat, t'es mignon? Petit. Ah, il est là. Allez, meurs. Non. Ah non, couchez ton arbalète, je ne veux pas voir ton arbalète. Ça commence à être serré. Cette fin de jeu est compliquée, les gens. Enfin, je dis cette fin de jeu, ça se trouve. Dans 2 heures, on y est encore. Mon trésor, merci. Donc, au niveau du trésor, aïe. Un Tishkash Purba. C'est bien, ça relaxe. C'est une boucle qui va je ne sais où. Je sais pas. Bref, vous êtes chaud? Ok, on reprend.
et... Esquive. Aïe. Esquive. Ouh. Ok. Ah. Ouais. Ils sont un minimum malins quand même. Bien. Bon, au moins ils sont que deux. Ça devrait se gérer quand même. Ok, mes cocos, vous mourrez. S'il vous plaît. Non, vous voulez pas. Allez. Allez, allez, allez. Il s'est barré où? Il s'est barré où? Ok, juste là. Tu dailles. Putain, c'est encore plus chiant que les grosses bébêtes. En même temps, c'est les mêmes, mais... Eux, ils ont des arbalètes. Aïe. Esquive. What? Ah, d'accord, je crois qu'il m'a envoyé une fléchette. Purée, veux-tu bien crever? Oui, 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 non. Ah! Mon dieu. Allez, esquive. Coup de crosse. Voilà. Ouais, c'était pas un coup de crosse, t'as coupé. Allez, meurs, 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 meurs. Meurs, meurs, je t'ai dit. Veux-tu bien mourir? Ah! On l'a eu. Oh mais non, mais non, mais non, mais c'est plus possible. Oh mais non, mais en plus lui t'envoie des bombes. Oh mais purée. Alors lui c'est the boss of the dead of the crazy frog. Oh la vache. Ouf. On récapitule. Donc y'a l'homme, le schtroumpf bleu super musclé méga développé. Ensuite t'as lui, Hulk et Chuck Norris et Dieu. Et Superman. Allez, 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 allez. Crève, crève, espèce de sorcier macaque mutant bizarre. Purée, j'ai plus de balles. T'as qu'à 47. Ah, arbalète. Quoique, c'est peut-être pas une bonne idée. Quoique, c'est peut-être des arbalètes cheatées. Boum. Ah ouais, c'est des arbalètes cheatées. Ouais, non, je suis content de l'avoir pris. Ensuite. Il va nous falloir des armes plus puissantes que ça. Évidemment. Oui, et c'est donc pour ça que j'ai pris cette arbalète. Donc la suite, je suppose que c'est là-haut, faut que je grimpe. Là, mais qu'est-ce qu'il est fait? En douille. Tu veux pas juste grimper sur le pied là? Bon d'accord, il veut pas. Il veut pas, il veut pas. Peut-être que... Ouais, je dois pouvoir faire le tour. Donc, nous disions. Étape 1, grenade. Étape 2, je grimpe. Étape 3, je regrimpe. Et ensuite, vous connaissez la suite. Yep. Voilà. Ok. Ensuite, je vais en face. Ensuite, je dois pouvoir faire un truc avec ça. Ah oui, d'accord, je peux grimper dessus. Ok, oui, je suppose. D'accord, ouais, donc là, je peux. Voilà, aller de l'autre côté, mais en douille. En face, voilà. Allez, t'es capable de sauter ça. Ok, c'est bon. Ah, grenade en passant, je l'ai pris. Oui, je l'ai pris. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? D'accord, une bouteille qui est tombée. C'était mon chat, c'est rien. Comment ça va derrière? On arrive. Attention. Hop là. Ok, on progresse, on progresse, on progresse. On va pas les attendre, hein, parce que sinon ils vont mettre 3 heures. Oh. On doit passer d'une... Hey, c'est de la selle, ça ressemble à la résine. C'est inflammable. On se recule. D'accord, donc c'est de l'explosif. Juste avant, je veux voir s'il n'y a pas de trésor. Non, ok, reculez-vous, reculez-vous, poussez-vous. Un conseil, restez pas là. Je déconne pas. Bip. C'est quoi ce bordel? Oh, bon sang, c'est... Quoi ça? Ah. On va s'en sortir. C'était même plutôt bizarre, 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 bizarre. Mais, juste à moitié. Voilà. Ok. Bon, alors. Munition, merci. Ensuite la corde. Ou les briques. Les briques, je préfère. C'est plus près. Yop là. Ensuite la corde. Oh ya ya. Yop là, les briques. Ok, je continue d'escalader. Pour le moment, ça va plutôt bien. J'aime bien le petit effet éclairage, ça fait joli. C'est sympa, ça fait boîte de nuit ancestrale Shambhala. Y'a plat la perche. Y'a plat, je prends l'élan. Y'a plat. Et. D'accord. Est-ce que quelqu'un l'avait vu? Quelqu'un l'avait vu que la racine était fermée? Non, parce que pas moi. Hein. Bon. Oh la vache! On reprend de loin! Enfin, de loin. La sève est inflammable, tout comme la résine qu'on a trouvée. Ouais, j'ai caché un carreau d'arbalète, quoi. Je suis un peu dégoûté. Bon, eh bien, en ce qui concerne cette racine, arrêtez bien de m'avertir la prochaine fois. Boum. Ah, dans le genre, j'y ai pas accès là, c'est ça? Ouais, je vois le genre. Bon. Comment, qu'est-ce que je vais faire, alors? Voilà, je peux pas y aller, à mon avis ça doit être un point de passage. Ouais, c'est un point de passage pour elle. Ok, bon, la refait. Cette fois, ça devrait bien se faire. Hop là. Hop là, je sais pas comment je vais faire pour tirer dessus. Oula, what the bug de vue. Ok, boum.
Si on m'aurait dit qu'un jour j'aurais à faire ça pendant de l'escalade, eh bien j'aurais dit ok. Simplement. Sauf que là, j'ai été surpris, je vous l'avoue. Il y a plein. Et là, on a. Ok. Ensuite, je vais péter en face. Boum. Voilà qui fait plaisir. On y va. Et voilà. Passage ouvert. On continue. Je vérifie qu'il n'y a pas quelqu'un qui m'embête. Non. Oh, c'est joli. Oh, ça me semble familier. Bien sûr. C'est sûrement l'endroit où se trouve la pierre de Chine. Bon, et bien, les amis, je pense que finalement nous allons nous laisser ici. Il s'agit pas de l'épisode final, j'en suis désolé. Donc, j'espère sur ce que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. C'était Sean Kazma. À vous, les studios. Ciao, ciao.